Préparez-vous au déploiement. Je vais pas aller là, Et du coup, bien évidemment, pour fêter cette fin de... Merde. Putain, j'ai pas du tout le terme, et je sais que je suis vraiment pas loin. De... Comment on dit Putain, j'ai congestion en tête, mais c'est pas du tout ça, tu sais, mais genre... convalescence, exactement, voilà. On a identifié les cibles, à vous de jouer. Donc pour fêter cette, cette fin de convalescence, dis... Wow. Toi tu veux mettre des coups de poing, toi tu veux mettre des coups de poing, toi, sale bâtard. Et du coup, je disais, je vais t'offrir du jeu de qualité, bien évidemment, avant qu'il m'interrompe. Hein. Excuse-moi pour ça, je me suis peut-être un peu emporté une fois de plus. Mais tu connais mon grand problème avec les coups de stress et les insultes. Hein. Il a voulu me boxer, ce petit chacal, il m'a sauté dessus et tout, carrément. Non mais dis donc, tu as cru que j'étais un tapis de prière? T'inquiète, je m'habitue. Ouais, faut juste pas sursauter, quoi. C'était plus tapis de fitness que je voulais dire. Parce que, genre, il pouvait s'allonger sur moi et tout, faire trop le Mario avec moi. Bon, Fufty. Est-ce qu'on pourrait, genre, avoir une arme, peut-être? Bien, écoute, merci. Tut-tut-tut. On m'appelle Fufty. Tut-tut-tut-tut-tut-tut. Oh, allez! Oh, allez! Ah oui. Un véhicule dans le coin. On va pas se mentir. Oh putain, drone aussi dans la zone, ok, il faut que je me casse. Mais là je suis plutôt satisfait de ce que j'ai eu, on va pas se mentir. Après je suis pas difficile comme garçon, c'est un fait. Cependant, ce loud doute, comme on appelle ça chez les pro gamers, ce qui veut dire bien évidemment cet équipement, ce stuff. J'aurais pu ainsi... Waouh, mais je pars beaucoup trop loin et du coup je vais même pas entendre s'il y a des ennemis. Attends, je vais monter le son. Et vous êtes bien sur Radio Fufty, la radio qui vous berce, la radio qui vous masse, la radio de l'amour. J'ai fait un kill, ça y est, je me sens surpuissant, c'est génial. Regarde, je peux même faire du parcours dans la montagne. Il fait du parcours dans la montagne avec une mitraillette. Il fait du parcours dans la montagne avec un sniper. Ah non, c'est pas un sniper, c'est une mitraillette ça aussi. Par contre, alors je vais encore peut-être en demander un peu trop, mais j'aimerais une arme avec un viseur en fait. Parce que là de loin, je sais pas si je peux faire grand chose. Hein. Alain d'ailleurs, comme on l'appelle. Alain de loin, très bon acteur. Oh là là, là-bas il y a un parachute. Gedzi! Gedzi, mananako! Oh, ah non. Non, il atterrit beaucoup. Non, j'ai rien dit. Gedzi, mon cousin, comment on va l'attraper à l'atterrissage, que je te le dis. Sur les sangs de la calotte de tous mes défunts, sur le caveau familial, que je vais tous les attraper, ceux qui se mettent en travers de mon chemin. Bonjour. Alors. J'aimerais une auto-réanimation si possible. De l'oseille aussi, bien sûr, avec grand plaisir. Petite grenade fumigène, allez. Alors, toujours pas de viseur, c'est génial. Ici, nous sommes en présence d'un capteur cardiaque, ce qui est plutôt pas mal. Y a-t-il du cardiaque à côté de moi? Non, très bien. Je sais pas pourquoi je panique. Dans tous les cas, que je les vois ou que je les vois pas, je reste aussi nul, donc... Tant que je bouge. Ok, j'avais cru en entendre un. Un viseur? Toujours pas de viseur, mais vas-y. S'il vous plaît. Je demande le viseur. Toujours pas. Ça c'est bien par contre. Là on a du stimulant, ce qui est très... Ok, alors deux solutions.
Soit je viens de m'auto-faire peur en ouvrant la porte en même temps que j'ai pris la plaque, soit il y a un gonze qui joue avec mon âme. Toujours pas de viseur, toujours pas de viseur, bien évidemment. Ouais, mais ça va commencer à devenir problématique. Call of Duty. Ceci dit, je vais aller voler une voiture. C'est mon arme favorite du jeu au final. Des petits écrasements de qualité comme ça. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Il y a un sniper là-bas, ouais. Oh putain, toi je vais te péta. Toi, tu viens de casser une vitre, t'es rentré. Viens donc, malotru. Après, j'ai des grenades, hein. Par contre, il semblerait que je ne sache pas lancer mes grenades. Bon, alors là, je suis pas du tout. Ah, cependant, c'est moi qui ai la zone comparé à lui, donc c'est lui qui va se prendre le gaz avant moi et le gaz est en train d'arriver. Ma foi, qu'est-ce qu'on en dit de tout ça? Est-ce qu'il va se manger le gaz? Est-ce qu'il a un masque à gaz? Ah, il est là. Et Nanakawa qui passe niveau 19, c'est magnifique, bordel. Non, meurs pas, meurs pas. Non, pas le gaz, ok. Ok! J'ai encore cru que j'avais fait de la merde parce que c'est. Les grenades et le gaz, c'est un peu mes deux pires ennemis dans ce jeu. D'ailleurs, c'est pas les grenades, pardon, c'est mes grenades et le gaz. C'est mes deux pires ennemis dans le jeu. J'ai tendance à courir dessus en fait. Je pense que je joue tout seul à la balle avec moi-même. Et du coup, bah, je vais chercher les grenades quoi. Bon, pour l'instant, on est totalement à 2 kills. Attends, traverse pas les rails, parce que si je me fais buter par un train, je vais être dégoûté. Pour l'instant, 2 kills, encore 84 personnes, ma foi. J'ai connu des situations pires. Il y a même le largage tactique qui est en cours. Ok, qui est en cours, mais pas du tout sur moi, on est d'accord. Oula, mais attends, là je vais arriver à l'observatoire. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Non. Et au final, hein. On a bien vu le manque de visée flagrant quand j'ai essayé de le shooter. Mais heureusement, j'avais l'avantage du gaz, bien évidemment. C'était calculé. Tout est calculé pour la qualité, bien évidemment. Oui, mais le gaz avance. Ça, je vais devoir passer par l'observatoire, je suis dégoûté. Là, à tout moment, je me fais régler gratuitement là. Satellite. Ça va, je peux. C'est bon, je pense que je peux considérer que je me suis sorti du gaz. Ouais, c'est bon. C'est des coups à se prendre un karma de dire des trucs comme ça, donc. Cache-toi, cache-toi. James Feff ou Feff Bond, je sais pas trop. Nanana.
Excusez-moi, il y a eu un bombardement en plein sur moi là. Je pense qu'il y a des gens mal intentionnés qui connaissent ma position. Qui fait ça? On a dit souple sur les appuis. Et là, du coup, j'aimerais bien. Alors, soit une petite arme avec viseur, bien évidemment, comme toujours. Et même si je pouvais réclamer un peu, je dirais peut-être même un sniper. S'il te plaît, ou. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, y'a un viseur! Oh là là, mazette! Oh, voilà. Là, on est à fond dans le truc, les gars. Alors cette salle de bain, franchement, vraiment, ah ouais, pas très bien entretenue, mais franchement, pour une salle de bain en zone de guerre, ouais, il y a des petits problèmes d'évacuation. Fifty Plaza. Recherche appartement en zone de guerre. Ok, je me casse. Bon, ok, du coup j'aimerais bien, si possible, trouver un véhicule qui serait ce quad. Non, 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 je suis en train de repartir. Non, non, pas du tout, qui serait ce SUV. Voiture marquée. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité établie. Mais là le gaz ne bouge pas. Ah ouais, non mais attends, s'il faut que j'aille par là, vas-y, on va aller choper ça. Voiture marquée. Ok, il me reste 55 copains sur cette map. Ah ouais, ce bâtard, je me suis fait carotte ma voiture carrément, vas-y, bah, je vais le défoncer. Ah non, il se barre du mauvais côté, ouais, il se barre du mauvais côté, je suis dégoûté. Frère, c'était mon auto. Excusez-moi monsieur, je pense qu'il y a... Monsieur, je pense qu'il y a un malentendu. Vous conduisez mon auto, monsieur? Monsieur, nous sommes victimes d'une mésentente. Oui d'accord, mais il y a de la frappasse de mortier et tout carrément. Ah monsieur, vous avez mon véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Bon bah vas-y. Quoi de marqué? Voilà, ça sera mon véhicule. Et Zébardi, pour l'édition numéro 28 de votre course préférée, le Paris Fonce-Car. C'est comme le Paris Dakar avec des gens Fonce-Car. C'est totalement parti. Ring, ring, ring. La seule différence entre le Paris Fonce-Car et le Paris Dakar, c'est qu'on va ni à Paris ni à Dakar. On va se faire régler par des gens dans la bonne humeur. Donnez de l'amour aux gens, allez-y, n'hésitez pas. Wow, 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 y a de l'eau. Faut que je tourne, ok. Dans la discrétion avant tout, bien évidemment. Vas-y, on va aller prendre l'autoroute. Je suis pas sûr que ce soit très légal avec un quad. Mais bon, est-ce que la guerre c'est vraiment légal? Attendez, non, j'ai vu par contre une. Je fais un véhicule blindé là. Ça part 10 wecks, tout mon pote. Hop là, vraiment. Déjà ne serait-ce que dans le son du klaxon quoi. On est quand même sur un truc qui en jette d'un coup un peu plus quoi. Qui? Attends, bouge pas, je fais demi-tour, je viens te chercher. Monsieur bonjour. Je récupère un... un panneau dans le coffre du coup.
Il est où ce petit chacal? Ok, je l'ai eu. Alors, j'ai une idée pour lui. J'ai un petit cadeau pour vous, monsieur. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Que j'ai réservé en cas de petit bâtard comme vous. Ennemi dans la zone des opérations. Cible marquée. Envoyez un soutien aérien. Oh putain. En approche. Frappe imminente. Oh là là, mais c'est magnifique et j'ai tué l'autre avec la frappe de précision aussi, bordel. J'ai besoin de munitions de pistolet. Là, quand il se passe des trucs comme ça, j'ai envie de chialer. Vas-y, minutes en l'heure, j'ai un appel de la mamoune. Ah ben bien sûr. Mais à tout à l'heure, ma bonne nana. Ok, là-bas il y a un gonze. Allez, vas-y, fais le plein, fais le plein, fais le plein, fais le plein. Fais le plein, fais le plein. Vas-y. Fais le plein, man. Ok, on se casse. Putain, le goulag il est en train de fermer. Drone ennemi au-dessus, d'accord. Je sais pas trop à quel... Si, ouais, si, je vais faire ça. Ouais, allez, go. Merde, 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 merde. Ah, Fafty. Tu es dans une pochette surprise, t'as permis, quoi. Drone ennemi actif. Bah, tant mieux pour lui. Tu veux que je te dise? Et là, si ça se finit dans la ville, ils vont tous être cachés. Faudrait que j'essaie d'aller dans le désert un peu. Moi, je suis plus un fafti du désert, on va pas se mentir. Puis, je pourrais peut-être débusquer. Waouh! Peut-être débusquer les petits campeurs. Ok. Qui nous a shooté tout à l'heure, je sais pas trop où il est. Plus que 25. Plus que 25 joueurs, bien évidemment. Faudrait que je trouve un endroit pour me cacher, mais. Il n'y a aucun endroit qui m'aguiche réellement en fait. Là, c'est. Faut se trouver un bâtiment et espérer qu'il n'y ait personne déjà dedans en fait. Ou alors continuer à faire des tours en caisse et. Et faire ça! Bah ouais, on va continuer à faire ça. Alors là il faut pas qu'il parce que le gars se rapproche. De toute façon moi qu'il y a un drone ou pas, ils voient ma voiture en rouge tourner autour d'eux donc... Ah oui, juste là. Lui il a esquivé sa mort de très peu. Alors là maintenant c'est des talents de pilote contre le reste du monde parce que... Parce que là j'ai pas du tout envie de m'arrêter, quoi qu'il arrive. Oh putain, y'a un snipe là-bas. Ce qui est bien au moins c'est qu'à tout moment je vais en cramer certains auprès d'autres. Comme ça je me mets bien à tout moment. Ah oui, y'en a encore un en haut, c'est vrai. Là-bas, il y en a un. Le gaz se rapproche, rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Il
Vas-y les gars, tranquille hein. Je vais prendre un peu d'essence hein. C'est bon. On est repassé au stand viteuf. On est reparti comme en 40. Là-bas on l'a vu. Là on se casse. Non 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 le gaz. Putain c'est magnifique. Est-ce qu'on va créer la surprise? Putain ce serait magnifique. Déjà top 10, j'ai battu mon record. Ouais là il faut que je fasse des tours là-dedans en fait en gros, ok. Entre ça et ça, ok très bien. Bah oui, ça semble logique aussi.